se soumettre en accord avec les politiques mises en œuvre, se soumettre à regret, sous la pression, ne pas se soumettre et se relever. Ainsi se résume désormais notre choix de vie. Les événements mondiaux vécus depuis 2020 amènent chacun à sa propre croisée des chemins. Ces deux dernières années ont eu le mérite d'éclairer notre vision de la France et de ses institutions. Ce chemin de conscience nous mène à présent aux choix les plus importants de toute une vie. L'exécution de cette politique mondiale, voulue par une poignée, la rend de plus en plus visible aujourd'hui pour ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire à sa base, vous mettez d'énormes mensonges qui orchestrent la peur, ensuite vous l'alimentez par un véritable terrorisme médiatique, et ensuite, vous imposez un mode de vie totalitaire par le biais d'organismes corrompus financés par les plus riches de la planète. C'est simple. Le faux prétexte sanitaire est utilisé à répétition, tout comme peut l'être le prétexte écologique, dans un contexte de pénurie organisée, qui vont très vite aggraver la situation pour mieux soumettre les populations. Les niveaux de corruption, mais aussi d'incompétence des institutions, des milieux politiques, des milieux médicaux, de la presse subventionnée, ont permis jusque-là cette mascarade. Face à un peuple médusé, hypnotisé par la propagande et diverses techniques d'ingénierie sociale, conduites sur des décennies. La révélation est brutale pour beaucoup d'entre nous. Oui, nous sommes à la croisée des chemins. Faire le grand écart entre la peur de dire non et la liberté de choix n'est plus possible. Trop d'enjeux en sont tributaires. Il en va de l'avenir des générations qui nous suivent. Ce sont désormais deux modèles de société très différents qui se présentent à chacun de nous sans compromis. D'un côté, on nous annonce, au travers d'un nouvel ordre mondial, une société uniformisée de contrôle total des individus avec des visées transhumanistes. Celle que tentent d'imposer avec autorité les gouvernements des nations occidentales et leurs mentors, celle où les gardiens de la paix sont devenus les forces de l'ordre. Un modèle où toutes les libertés fondamentales jusqu'à la dépossession d'éducation des enfants seront perdues en échange d'une prise en charge du citoyen réduit à une dépendance croissante aux autorités par le biais de règles liberticides et de technologies intrusives. Cela peut séduire ceux qui céderont à la peur. D'un autre côté, est possible une société humaine bienveillante, où les peuples se rapprochent et ne sont plus les jouets souffrants de pratiques et de guerres fomentées par de médiocres intérêts privés, où leurs différences s'associent dans le bien commun qu'est la Terre dont ils assurent la pérennité, où la fraternité, l'éthique, l'intégrité, la dignité et le respect sont les fondements d'une société consciente. Les temps sont venus, nombre d'entre nous l'ont compris. Si le choix n'est pas fait maintenant, avec détermination, les peuples d'Occident pour commencer, puis tous les autres connaîtront une dépopulation massive et une dictature planétaire comme on n'en a jamais vu. Ce n'est pas une théorie dite complotiste, c'est ce qu'il nous annonce très clairement. Tout cela est vérifiable par quiconque en fera l'effort. La France, en tant que nation, et par nation il faut entendre un esprit, une langue, une culture, un patrimoine né de cet esprit, et non une couleur politicienne. La France, donc, a été littéralement démantelée par les pouvoirs successifs au fil des ans. L'excès du pouvoir présidentiel y est unique en Europe et sa constitution est gravement violée depuis 2008. Une confusion croissante est entretenue sur ce que sont les valeurs de son peuple, à commencer par le devoir inné de protection des plus vulnérables pour nos anciens et nos enfants. Le respect entre hommes et femmes, entre adultes et mineurs, entre l'humain et les autres règnes vivants, entre l'homme et la terre qui l'accueille. Il faut porter le regard haut, car c'est à ce niveau et pas en dessous que se situe aujourd'hui notre décision la plus importante. Ne nous arrêtons pas aux détails dont les politiques, les médias
et l'opposition contrôlée nous saturent. Il n'y a aucun salut à ne regarder que le bout du doigt et non ce qu'il désigne. Allons-nous continuer à laisser grandir l'infamie jusqu'au point de non-retour? Où allons-nous dire non, une fois pour toutes? Chacun va-t-il continuer à regarder ailleurs, jusqu'à ce que l'ailleurs soit son présent, et qu'il sera trop tard? Ou chacun va-t-il enfin prendre la pleine mesure de ses responsabilités? Il existe un peuple de France dont l'héritage inné ou acquis coule dans ses veines. Il est prêt désormais à se lever pour restaurer sa souveraineté et arrêter dans leur course folle les sociopathes qui veulent pour lui écrasement, dégénérescence, contrôle et soumission. Nous leur avons laissé trop longtemps trop de pouvoir de nuire dans l'impunité de leurs actes. C'est à ce peuple-là que le grand appel est lancé. Il ne s'agit pas de se demander comment faire, car nous le savons. La solution n'est pas de manifester dans les rues pour réclamer. Parce que nous n'avons rien à réclamer, puisque nous ne leur sommes pas inféodés. C'est un terrain qu'ils contrôlent, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec la plus grande violence lors du long épisode des Gilets jaunes. Mais il existe un terrain qui n'est pas le leur, celui de l'intelligence collective du cœur. De nombreux réseaux existent aujourd'hui en France, constitués d'hommes et de femmes qui ont déjà fait leur choix de société, à travers la solidarité, le partage, les expériences, l'apprentissage, la transmission des savoirs, l'organisation locale, d'une manière qui soit respectueuse du vivant. L'ensemble couvre tout le territoire, ce qui signifie qu'il y a forcément quelque part, au niveau local, près de chez vous, au moins une de ces cellules de ce grand corps organique que beaucoup ont déjà rejoint. Nous appelons donc solennellement chacun à rallier le ou les réseaux de son choix. Nous appelons tous les réseaux et associations qui ne l'ont pas encore fait à se relier les uns aux autres, à se rencontrer au sein de leurs cellules locales et à organiser une communication de l'information entre eux. L'objectif n'est pas de se fédérer en une seule structure, ça nous rendrait vulnérables. Chacun doit garder ses spécificités et continuer à travailler comme on a l'habitude. Et par contre, ce qui est important, c'est que chaque réseau tisse un maillage territorial, physique, avec les autres pour que on voit apparaître des solidarités et une capacité de réaction rapide pour nous entraider quand le besoin s'en fera sentir. Il faut être clair, ceux des Français qui ne se soumettront pas à la tyrannie verront leur choix, souverain et légitime, impacter fortement leur mode de vie. Ils subiront probablement des pressions et des mesures de rétorsion plus qu'il n'y en a déjà. Cela demande du courage et un renoncement provisoire à quelques conforts. C'est le prix de la liberté et de la souveraineté. Mais il est évident que ce choix individuel ne sera possible qu'à travers la solidarité de tous. C'est à travers ces réseaux que nous la trouverons, car elle existe déjà sur le terrain et nous nous employons tous à la développer davantage. Plus personne ici ne sera seul pour faire face aux difficultés à venir à court terme et nous pourrons organiser correctement la protection des enfants et des plus vulnérables. Nous manifesterons ainsi la volonté d'un peuple qui se rassemble de plein droit dans une intention pacifique, dans le devoir et la détermination d'arrêter par son nombre et sa volonté la folie de quelques-uns. Car il est important que tous les corps de l'État, en qui demeurent des valeurs saines, voient émerger ce peuple souverain au sein de la confusion. Eux aussi sont désormais à l'heure des choix et devront choisir leur camp. Ne vous laissez pas démoraliser, ni démobiliser par les apparences, même si les choses deviennent plus difficiles pendant un certain temps. Un ferment des plus fertiles est déjà à l'œuvre dans ce pays, à travers des hommes et des femmes lucides et déterminés. Rejoignons-nous, rejoignez-les. Il ne reste qu'à nous rassembler. Nous savons le faire. L'heure est venue.